Alors aujourd'hui, c'est sorti en scooter à Waterfall. C'est à peu près à 60 km au nord-est de Chiang Mai. Et c'est un endroit assez particulier. Il y a eu un événement historique du temps du roi du Tout le Siam. monde Peut-être se souvient de Hanaï le roi. Ça s'est passé un peu par là. Et une histoire d'eau, de l'eau. Donc je vais aller voir ça. Je pense que ça va être assez sympa. Bah, comme on l'entend, on est un petit peu en pleine jungle, beaucoup d'eau, voilà, et d'une tranquillité incroyable, une grande quiétude. En fait, ici au Waterfall, on rejoint l'histoire du Siam, tel qu'on a pu le voir dans certains films, par exemple Anna et le roi. Le roi et la reine ont été tués par des ennemis et puis des soldats traîtres. Mais il y avait deux princesses. Ces deux princesses ont été sauvegardées, mises en protection par des soldats loyaux. Et elles ont été mises en protection ici, à Waterfall. De l'eau, il n'y en avait pas autant que ça. Et la légende dit que elles ont prié, elles ont demandé à Dieu d'envoyer de l'eau. Et il y a eu beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de fleurs. Du coup, ces princesses ont pu grandir et reprendre plus tard le pouvoir. Une humidité, wow, je dégouline. Il doit y avoir 90% du taux d'humidité. Et l'eau qui coule, elle est chargée de carbonate de calcium. Du coup, ça fait un fond blanc. Bon, ça a des vertus thérapeutiques, a priori. Les gens viennent y tremper leurs pieds, se laver avec. Bon, ben, je vais escalader cette petite chute d'eau. Enfin, elle est un petit peu. L'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça grimpe un peu. Bon, ça grimpe plutôt bien. Au cas où il y a une corde.
Je suis là dans la chute. C'est chaud. Alors, il y en a qui font ça en descendant, une autre façon de faire.